Bonjour, pardon, je suis assise sur mon micro. Bonjour, Koué, bon matin. Merci d'être là en si grand nombre. Je disais à Joséphine, comme à l'habitude, qu'elle est la rockstar de la littérature et ça ne dément pas ce matin. Donc, je m'appelle Vanessa Bell. J'aurai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous et avec Joséphine Bacon. Je tiens à saluer également les gens qui nous écoutent en ligne à la maison ou ailleurs, donc sur Facebook. Merci d'être là avec nous. Avant de débuter, je dois remercier les gens qui rendent ce festival-là possible parce que c'est très, 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 très important. Donc, un 10e anniversaire déjà pour Quiet Onk, le Salon du livre des Premières Nations. Cette activité vous est donc offerte en co-diffusion, évidemment, avec la Maison de la littérature où nous nous trouvons ce matin dans le cadre du 10e Salon du livre des Premières Nations présenté par Innergex Énergie renouvelable, Hydro-Québec, la Caisse des Jardins de Wendake, Okatela et le CN. Et donc, bien sûr, cette édition de Quiet Onk est réalisée et rendue possible grâce à l'appui financier également du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Y en a-tu des gens qui veulent que vous soyez sur scène ce matin, Joséphine? C'est assez, assez impressionnant. Donc, je vous partage la discussion entre Joséphine et moi-même. Va tourner autour d'une quarantaine de minutes parce que j'ai décidé de nous retrancher quelques minutes pour pouvoir vous donner un peu plus la parole. Donc, quand on sera rendu au moment des questions, ce sera bien important de garder votre masque, ne pas toucher le micro et laisser simplement la personne qui aura la perche s'approcher de vous. Alors, voilà, ça c'est pour le futur de notre vie. Mais revenons au présent. J'ai dit à Joséphine que j'avais une très, très longue biographie à présenter. Oui, on va la raccourcir. Elle est humble, mais moi, je pense que c'est important de vanter les gens de temps à autre. Vous en conviendrez avec moi, je suis certaine. Donc, parolière, conteuse, conférencière, scénariste, traductrice, interprète et réalisatrice de renommée internationale, Joséphine Bacon enseigne l'Innu Aimun depuis maintenant un peu plus de 40 ans. Grande ambassadrice de la culture des Premières Nations au Québec et à l'étranger, fougueusement engagée sur les scènes littéraires et artistiques, vous inspirez aux jeunes générations la fierté d'être autochtone et la volonté de défendre leur langue et leur culture. Maintes fois récompensée, l'ensemble de votre travail lui vaut, entre autres, un doctorat honoris causa de l'Université Laval, mais j'ai vu qu'il y en avait eu un autre récemment, n'est-ce pas? Celui de l'UQAM en littérature. Donc, aussi un deuxième doctorat honoris causa à l'UQAM, oui, en littérature. Vos trois recueils sont tous animés par le désir de préserver et de transmettre la culture innue, de faire revivre également nos chimites par l'écrit. En 2014, un été dans la toundra est finaliste au prix littéraire du gouverneur général et au Grand Prix du livre de Montréal. Votre plus récent recueil, Uyèche quelque part, vous vaut le prix des libraires du Québec en 2009. Et je tiens à ajouter cette toute petite partie, puis après ça, on jase, là, on reprend la discussion d'en bas. Oui. Tout à fait. Avez-vous entendu? C'est en se parlant qu'on va se connaître. Fait que j'arrête de me parler et on se parle après que je dise tout ceci. Grande gardienne des traditions orales, votre poésie a ceci de particulier qu'elle réussit à transcender l'important aspect anthropologique de votre démarche. Et ça, je pense que c'est un tour de force à souligner. Donc, une poésie qui conjugue une maîtrise remarquable des langues du vivant pour créer une œuvre de lumière, d'espoir, de vérité au pluriel. Donc, Joséphine Bacon avec nous ce matin. Merci. Merci beaucoup. Salut, Joséphine. Quoi? Ça fait plaisir de te retrouver. Toujours sur scène, hein? Nous, on ne se retrouve pas à l'extérieur des scènes. Oui, un petit peu dans des cuisines. Oui, aussi. Je débute parce qu'il y a tellement de choses à dire depuis les derniers salons du livre où on a pu s'attraper. J'ai envie qu'on commence par un superbe projet donc, que tu as mené avec l'illustratrice Lydia Metsukosho-Paradis et bien sûr ta grande complice des premiers instants, Laure Morali. Donc, ensemble, vous avez fait paraître en avril dernier aux éditions Mémoire d'Encrier le très, très bel album Nin House. Je ne suis pas sûre. Awas. Nin merci. Awas. J'aurais dû demander comment ça se prononçait avant. Pardon. Donc, un projet qui vous aura fait rencontrer sur une période de 4 ans plus d'un millier d'enfants innus de 10 communautés différentes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous nourrir de ce projet extraordinaire? Ce projet est né du rêve
de Yvette Mollen, qui, elle, aujourd'hui, est une grande, grande dame de la langue Inuaimun. Elle enseigne à l'Université de Montréal. Puis, il y a eu un album qui avait été publié il y a quelques années avant, qui s'appelait « Mingan, mon village ». Puis c'était de la poésie des enfants de Mingan, tu sais, que Laure Morali avait animé en atelier d'écriture. Puis ça avait donné cet album-là, « Mingan, mon village », avec des illustrations de Roger. Donc, tu sais, puis ça avait beaucoup impressionné Yvette. Alors, comme elle travaillait dans ces années-là à Tchagabesh, alors elle a eu l'idée, tu sais, de réaliser un rêve, mais pas qu'un seul communauté, mais tous les communautés innos, tu sais, du Québec. Alors, moi et Laure Morali, on est partis, on a fait tous les communautés, tu sais, puis pour accueillir la poésie des enfants. Alors, ça a donné Nina Wass, et puis on a réalisé le rêve de Yvette Mollen, qui, je trouve, puis ça part de la maternelle jusqu'au secondaire 5. Donc, tu sais, comme quoi, il n'y a pas d'âge pour écrire de la poésie. Et comment est-ce qu'on présente la poésie aux enfants, eux qui sont, il me semble, déjà gardiens de la poésie? Par exemple, tu sais, qu'il y a des enfants de la maternelle, tu vois, ils n'écrivent pas encore, mais des enfants de la maternelle, eux, tu sais, parlaient leur langue, parlaient des Noémons. Donc, Laure Morali a pris une roche et puis elle l'a mis proche des oreilles des enfants. Puis là, elle leur demandait, qu'est-ce que ta roche te raconte? Alors, les enfants, tu sais, disaient, qu'est-ce que la roche leur disait? Puis ça fait un beau poème. Tu sais, puis il y en a d'autres, par exemple, tu sais, qui, c'était sur la langue. D'autres, c'était leurs grands-parents. Comme par exemple ceux de Pawashibo, Pawashibit, ben eux autres, il y a eu un grand événement dans les années 70. Hein? Ah oui, c'est celui-là. Oui. Dans les années 70, le père Jouvenot, celui qu'on appelle le diable d'Amérique aujourd'hui, ben avec deux agents des affaires indiennes, sont allés rencontrer les Innus de Pawashibit pour les convaincre de déménager à Ounamanhipit, à la Romaine. Tu sais, puis ils les rencontraient, puis ils ont fini par les convaincre avec des mensonges en disant, quand vous arriverez là-bas, ben, on va vous construire des maisons, on va vous donner du bois de chauffage, vous aurez de l'eau courante, en tout cas des promesses. Puis, mais ce n'était pas vrai, tout ça. Et puis, il y avait un vieux qui s'appelait Simon Snapeau. Puis, en plus, il leur avait promis, même s'ils allaient en Mahipit, ils pourraient retourner dans leur Noutmet à eux. Mais tu vois, quand tu es à Ounamanhipit, c'était trop loin pour eux. Alors, ils regardaient des gens de Ounamanhipit, tu sais, retourner dans le Noutmet, là où ils avaient l'habitude d'aller. Puis eux autres, ils restaient coincés dans la communauté au bord de la mer. Puis un jour, ben, Himoun, il voyait bien que tout ce qu'on leur avait raconté, les promesses qu'on leur avait faites, c'était que des mensonges. Alors, en fin février, début mars, il a décidé qu'il retournait à pied jusqu'à Pawashibit. Puis il y en a d'autres qui l'ont suivi, fait qu'ils l'ont marché, puis Jouvenot, il envoyait des télégrammes, tu sais, au village, tu sais, entre Ounamanhipit et Pawashibit, il y a des villages, soit anglophones ou francophones, puis il leur disait, il envoyait des télégrammes pour leur dire, si vous voyez passer Himoun avec son groupe,
ne les aidez pas, ne leur donnez pas à manger. Mais sauf que c'est le contraire qui s'est passé. Ils ont été aidés jusqu'à temps. Puis quand ils sont arrivés à Pocotchipit, c'était la saison des outardes. Alors, tu vois, puis ça, c'est un grand événement. Alors, les enfants de Pocotchipit, tu sais, ils ont écrit un poème sur, tu sais, Shimon, marche, marche, tu vois. Puis tu peux presque voir Shimon qui s'en retourne avec tout le courage, tu sais, avec son groupe, tu sais, retrouver la terre qu'il aimait. Et d'autant plus, quand ils sont arrivés en Mahipit, mais les Innus de Pocotchipit, ils avaient amené des poches, tu sais, de terre. Alors, quand ils sont arrivés sur la grève, ils ont, comment on dit en français, ils ont vidé leurs poches de terre pour être sûrs que la première terre qui touchait, ce serait Pocotchipit. Juste ça, c'est un poème. Hein? Ça nous prendrait votre présence pour peut-être déchiffrer tous les poèmes qui nous sont offerts dans ce magnifique album. Oui. J'ai envie de tirer sur le fil extraordinaire et lumineux qu'est l'or Morali avec vous. Ouais. Parce qu'en faisant justement des recherches pour écrire la biographie que j'ai placée dans l'anthologie de la poésie actuelle des femmes, j'ai écouté des entretiens, j'ai tellement lu de choses sur vous, c'était très, très, très fécond. Sur toi, pardon, on a dit qu'on se tutoyait. Et je ne sais pas si c'est moi qui veux tirer sur une anecdote, là, mais j'ai envie que peut-être qu'on partage. Laure Morali y est pour beaucoup dans ton arrivée en poésie. Ben oui. Il y a une histoire oui. de napkin là, à mettre de l'avant que je pense que tout le monde aimerait entendre. Écoute, c'est que. Laure Morali, je l'ai rencontrée dans l'autobus. On s'en allait tous les deux, tu sais, à Iquantit. Puis j'étais, je ne sais pas si les gens se souviennent de Bruno Roy, qui s'est tellement battu pour les orphelins du Plessis. Lui, il en était un. Puis c'est un des seuls orphelins, je pense, qui a poursuivi ses études. Il me racontait, tu sais, parce qu'ils n'allaient pas à l'école. Les orphelins. Alors, quand il a été libéré de l'orphelinat, la première chose qu'il a fait, ça a été d'aller à l'école. Il dit, les enfants étaient petits. Moi, il avait 15 ans. Puis, il a fait toutes ses études jusqu'à l'université. Et puis, c'est ça. Et puis, tu sais, j'étais allée voir un spectacle de Chloé. Puis, lui, c'était là. Et Bruno, tu sais, lui, c'était la femme de Bruno. Avec lui, il me dit, mais il dit, quand est-ce que tu m'amènes dans ta communauté? Ben, j'ai dit, demain, si tu veux, je partais le lendemain matin. Il a dit, OK. Puis c'est comme ça qu'on a pris l'autobus à 6 heures du matin pour se rendre jusqu'à Mingan, aller visiter Rita Mastokocho, qui est une grande poète aussi. Elle est à connaître. Alors, c'est ça. Et puis dans le même autobus se trouvait Laure Morali. Fait que, rendue à cette île avant de transférer d'autobus, elle est venue me parler, puis c'est ça. Puis elle m'a dit, où est-ce que vous allez? Ben, j'ai dit, à Iquandit. Elle a dit, moi aussi. Elle a dit, chez qui? Ben, j'ai dit, chez Rita. Elle a dit, moi aussi. Et c'est comme ça, vraiment, qu'on a eu comme un premier contact. Et puis un jour, puis on est restés des amis. On est devenus des amis. Et puis un jour, elle a fait un rêve. Un rêve. Elle rêvait qu'elle jumelait des poètes et des écrivains québécois avec les Premières Nations. Et ça a donné un livre que je trouve très, très important qui s'appelle « Amy Toto ». Parlons-nous, c'est comme si c'était un premier pont, tu sais, qu'elle érigeait, tu sais, pour mais par correspondance, tu sais, des gens qui s'écrivaient là se connaissaient pas nécessairement. Moi, elle m'a jumelée avec un poète québécois d'origine occitane qui s'appelle José Aclin. Alors, quand elle m'a parlé de son rêve, j'ai dit, c'est extraordinaire. J'ai dit, il faut que tu le réalises. Tu sais, j'ai dit, il faut que tu le fasses, c'est important.
Alors elle m'a dit, tu vas participer. Ben, j'ai dit, voyons donc. J'ai dit, je ne suis pas poète, je ne suis pas écrivain. Mais comme je l'aime beaucoup, ben, j'ai dit oui. Et c'est comme ça que tout a commencé. J'ai lu qu'elle conservait des poèmes, en tout cas, ce qu'elle considérait être des poèmes, que tu écrivais comme ça sur des retailles, des bouts, puis que c'est elle qui avait fait un petit carnet. Oui, j'écrivais sur n'importe quoi, des paquets de cigarettes, des napkins de restaurant ou sur des feuilles de bingo perdantes, évidemment. Alors, tu sais, puis elle les accumulait jusqu'à un moment donné. Elle dit, tu sais, elle me les a montrés, mais elle dit, ça peut faire un recueil. Fait que ça a donné Bâton à message, qui a été mon premier recueil. Donc, C'était un peu long comme histoire, non? Finalement, ce sont des poèmes gagnants sur des cartes à bingo perdantes. Ouais. C'est ce qu'on mais retient. C'est surtout, tu sais, à un moment donné, il était tard, puis elle avait un rouleau de papier, Rita était là, moi j'étais là, tu sais, puis on écrivait ce qui nous passait par la tête. Puis le lendemain matin, elle m'appelle, elle me dit, tu sais, il dit, t'as écrit quelque chose, tu sais, fait que j'ai dit lis-le. Fait que c'était, je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Mais tu sais, j'ai dit, mon Dieu, tu sais, juste d'entendre, je me suis faite belle. Mais j'ai dit, jette ça. J'ai dit, c'est même trop vaniteux. J'étais pas encore vraiment habituée. Tu sais, à la poésie, donc je trouvais ça un peu... j'étais pas sûre. J'étais pas sûre que c'était un poème ou de l'avant-tardise. Maintenant, tu sais que ça peut être les deux. je me permets de rester dans cette chaleur-là de la communauté, parce qu'il y a une très, très belle rencontre avec une amie commune, Joanne Roussy, de la 8e île à Moisy, qui a donné une fantastique capsule avec Virginie Lamontagne, donc à la Fabrique culturelle Côte-Nord. Et dans cette capsule-là, il y a un moment, moi, je pense, qui m'a marqué et qui m'a fait, si c'est possible, t'aimer encore plus. Et c'est le moment où tu racontes, tu es en train de faire ça comme ça dans le sable, donc pour que le sable soit chaud à égalité pour faire cuire de la bannique. Uh-huh. Et tu dis, bien sûr, je n'ai pas retenu le mot, je m'en excuse, là. Tu dis, ça c'était le verbe, mais ce verbe-là, il est perdu. Oh oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec tous ces verbes perdus parce qu'on ne fait plus l'action ancestrale? Voilà. Ben c'était... C'était dans un rassemblement d'aînés, tu sais, puis il y avait une famille qui avait fait cuire la bannique dans le sable, et puis le papa du jeune homme lui a dit ce verbe-là, tu sais, de faire égaliser le sable chaud, tu sais, pour que ça cuise uniformément. Puis le jeune, il ne comprenait pas. Fait que, tu sais, M. Lalou, il a pris sa palette pour travailler le sable chaud. Et puis comment il l'étendait, puis il lui disait, il dit, tu vois, tu sais, il y a des mots que vous ne comprenez pas, les jeunes. Puis moi, j'avais été très impressionnée. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'ai dit, il y a tellement de mots qui vont se perdre dans le temps parce qu'on ne vit plus de la même façon et puis on ne pose plus les mêmes actions, comme le verbe coabdo, par exemple, tu sais, qui est aller chercher l'eau à la rivière, au lac ou à la source. Tu vois, là, tu fais l'action de coabdo, mais tu vois, comme on ne l'utilise presque plus. Puis je disais ça à une de mes amies qui est inno aussi. Mais j'ai dit, on dit plus ce mot-là, il va se perdre. Mais sauf que les innos de Maliotenam, eux autres, ils lui ont trouvé une utilité à quoi, hein?
Tu sais, maintenant, où j'étais, tu as des inos de Malio, mais tu sais, quand ils utilisent quoi, tu sais, ils s'en vont se chercher, ils vont chercher leur bière au dépanneur. Hein? Mais c'est du liquide aussi, c'est peut-être pas de l'eau, mais voilà. C'est une ingénieuse manière de garder la mémoire vivante. Oui, c'est ça, la mémoire des mots. Joséphine, parlons littérature. Et là, tout à l'heure, on se disait en coulisses, tu peux me poser des questions, puis si je n'ai pas la réponse, pas grave. Donc, on s'essaye à une réponse, peut-être. L'hiver dernier, dans le numéro Femmes manifestes de l'Aide québécoise, il y a Virginia Pessimapéo-Bordelot qui avait été interviewée. En fait, on l'avait invitée à réfléchir sur les écrits des Premières Nations qui sont majoritairement, d'une part, portés par les femmes. Hein? Mais aussi, surtout, par une majorité de femmes inoues. Et on lui demandait, mais là, aujourd'hui, je te le demande, qu'est-ce qui fait que ce sont les femmes inoues qui sont en majorité les écrivaines des Premières Nations? Je crois que les hommes chantent, les femmes écrivent. T'sais, je ne sais pas pourquoi... Mais tranquillement, les femmes ont commencé à chanter. Mais des femmes, tu sais, peut-être parce que quand tu t'arrêtes un peu, tu sais, des images peut-être nous viennent plus facilement. Tu sais, parce que notre mémoire est vive. Tu vois, quand on a entendu un récit qui soit, tu sais, nouveau ou ancien, tu vas continuer à l'entendre dans ta mémoire. Alors, soit qu'on l'écrive de la façon qu'on le voit dans la mémoire, soit qu'on l'écrit court, ce qui devient un poème. Je ne sais pas si ça répond. Ben, il n'y avait pas de réponse, donc on peut prendre ta réponse pour du cash. Je vous donne ma meilleure réponse, hein? Et on l'accueille, merci. Tu dis, les hommes chantent et les femmes écrivent. Mais j'ai envie de retourner la situation pour parler d'une amie commune qui chante et qui écrit et qu'on aime beaucoup, qui est André Lévesque, si oui, avec qui tu faisais un spectacle hier. J'ai écrit des mots plus intelligents que ce que je suis en train de dire, donc laisse-moi retrouver ma question. Okay. Donc, je disais que oui, effectivement, hier, tu présentais à la salle multi de Méduse le spectacle Onway. En compagnie de l'autrice Wendat André Lévesque-Sioui, dans un accompagnement, je tiens à le souligner, le musical par Marie-Lou Cotinet. Et c'est un manifeste poétique féminin pour la sauvegarde des langues ancestrales, des cultures autochtones, du territoire par la poésie, le chant, le conte. Et j'ai envie simplement que tu nous parles de la soirée d'hier. Tous et toutes n'ont pas pu y être, mais il y avait quelque chose d'absolument magique dans la rencontre d'hier. Mais c'est surtout qu'on est très peu, on était très peu préparés. Tu sais, hier midi, j'avais pris son recueil de poésie, puis je l'épurais, tu sais, pour que ça puisse répondre, que ça parte, tu sais, de naissance jusqu'à la mort, tu sais, des premiers pas, tu sais, de la langue, l'importance des langues. Donc, parce qu'elle avait déjà, on avait déjà travaillé sur les miens. Alors, moi, j'ai travaillé sur les siens pour que les poèmes se répondent et que ça nous amène, tu sais, que ça devienne, au bout du compte, beaucoup d'espoir. Tu sais, et puis, que, tu sais, il y a la guérison, il y a la réconciliation, et ne jamais oublier, tu sais, qu'il y a la naissance, mais qu'il y a un départ aussi. C'est pour que d'autres puissent faire leur premier pas. Tu parles de guérison. Ouais. Ouais. Moi, j'ai envie de savoir de quelle manière, en fait, ces formes d'art-là, le conte, le chant, la littérature, permettent une guérison d'une part, oui, mais aussi un rassemblement des communautés autant autochtones qu'allochtones. Qu'est-ce qu'on trouve de guérison qui peut nous amener dans un meilleur vivre ensemble? Dans un meilleur être ensemble? Ben moi, je trouve qu'il est important de se parler d'abord
de s'écouter et sans nécessairement parler de blessures, de culpabilité, mais pour une fois, tu sais, de se regarder vraiment, tu sais, qui tu es, qui je suis, et comme toi, tu es, autant que l'autre se demande qui tu es, toi tu te demandes, tu sais, mais c'est avec la parole que tout ça va se passer, tu sais, le savoir écouter, le savoir se parler, puis le savoir rire ensemble. T'sais, puis aller chercher, sa ressemblance quelque part, dans tout ça, parce qu'on est d'abord, on est tous humains, hein? Après ça, on a notre culture qui fait un peu de nous notre différence, mais c'est parce qu'on est différent, t'sais, qu'on peut se raconter et rire ensemble et puis être heureux quelque part. Hier, c'était Nicole Obamsawin qui proposait d'écrire des livres pour se sentir mieux. Donc aujourd'hui, les arts pour être heureux et rire ensemble. Il y a définitivement quelque chose d'intense à apprendre dans ces réponses-là. Toi, Joséphine, qu'est-ce qui t'intéresse dans la littérature? Qu'est-ce qui fait naître le geste d'écriture ou le nourrit? Je me pose jamais ce genre de questions. ça arrive quand ça arrive. Tu vois, on m'a déjà proposé des résidences d'écriture. Alors je me disais, mais ça va m'obliger à écrire. Et ce sera pas, tu sais, puis je saurais pas quoi écrire, puis je vais avoir fait dépenser de l'argent à ces gens-là pour rien. Alors je préfère, tu sais, je préfère prendre les mots, tu sais, qui sont pleins d'images et qui parlent, tu sais, quand ils sont là. Alors, tu sais, puis quand je reviens à ce mot, je retourne dans ma mémoire pourquoi ce mot était là. Alors, tu sais, puis là, je revois tout, puis ça m'amène d'autres mots, et ça finit par être un poème. C'est tout simple. Ça demande donc une disponibilité assez grande, finalement, à ce que le poème arrive. Mes balbutiements aussi, je ne sais pas. Tu sais, t'as la poésie. Il est partout, tu sais, dans la main de ta mère, tu sais, qui est en train de tricoter, ou tu sais, dans la main d'un peintre qui fait un tableau, la poésie. On est d'abord, quand on vient au monde, on est d'abord un poème pour nos parents. Tu sais, le poème, il est partout. Il est partout où on... Tu sais, on s'attarde à voir. Donc, je pense qu'on est tous des poètes. Il suffit juste d'aimer les mots et de les voir avec un autre mot, un autre. C'est comme ça, du moins pour moi. Puis vous pouvez m'imiter, vous savez. Tu es doublement poète. Moi, j'ai décidé ça ce matin après t'avoir posé la question justement tout à l'heure. Je disais, bon, t'écris toujours les livres en Inuaimun et en français à la fois. Et je me demandais si elle cachait pas des choses dans l'Inuaimun parce que je me disais, mon Dieu, j'ai des croûtes à manger pour pouvoir lire tout le livre, bien sûr, en Inuaimun. Et il y a quand même cette idée-là d'être doublement poète parce que le poème ne s'écrit pas, peut-être qu'il vient du même amour, mais les mots côte à côte sont forcément pas les mêmes. Mais c'est parce que l'Inuaimun, c'est d'abord, tu sais, c'est oral. Donc, tu sais, puis l'Inuaimun, il est très riche. Tu vois, à un moment donné, j'écrivais que mon âme avait 1000 ans d'âge, puis ça fait toute la ligne, tu sais, du début de la mare jusqu'au bout.
C'est juste pour dire que mon âme avait mis l'andage. Tu vois, c'est ça l'inouïmoun. Tu vois, mais tu vois, dans le mot que j'avais écrit, t'avais je, mille ans, tu sais, temps d'hiver. Et, tu sais, puis j'en faisais un verbe en suffixe. Et puis il y avait, tu sais, aussi la centaine, après ça, de la centaine, il a fallu que je fasse le mille. C'est, donc, tu vois, mais en français, ça donnait mon âme à mille ans d'âge. Tu sais, pas, mon âme était sur l'outline. Il y avait un décalage d'existence là, entre les deux langues. Je trouve ça super intéressant que tu parles de la syntaxe parce que, on l'a dit tout à l'heure, l'enseignement de l'inouïmoun a occupé, mais occupe toujours de différentes manières une grande partie de ta vie. Et chaque fois que je t'ai vu et entendu parler de l'enseignement, tes yeux étaient encore plus brillants qu'à l'habitude. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce que toi, comme, pas juste comme poète, mais comme être humain, qu'est-ce que tu retires de ces moments d'enseignement, de transmission? Parce que tu les as d'abord reçus un peu plus jeune lorsque tu faisais du documentaire. Je les ai surtout reçus, tu sais, parce que moi, j'étais au pensionnat de 5 ans à 19 ans, de septembre jusqu'à la mi-juin. Mais à l'âge où je suis rendue aujourd'hui, je suis née, tu sais, dans le temps que le nomadisme existait encore. Donc, quand on a commencé au pensionnat, mais tu sais, être au pensionnat, ça t'obligeait à être sédentaire, tu sais, au lieu de voir l'horizon, mais tu te retrouvais face à des murs. Et puis toutes ces années-là, tu vois, de septembre à la mi-juin, c'est le temps où j'aurais dû être avec ma famille, tu sais, à circuler dans le Nautmut. Donc, mais pendant 14 ans de temps au pensionnat, j'ai appris à lire et à écrire. Puis, comme tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, alors je me dis, si j'ai appris à lire et à écrire, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui à vous parler. Et puis, donc, il y avait quelque chose quand même que j'ai retenu de ces années de pensionnat. Mais c'est un... Puis d'un jour, je suis arrivée à Montréal. Et puis, tu sais, j'habitais Montréal. Et puis, les gens chez qui j'habitais, ils avaient une amie qui était anthropologue. Et puis, tu sais, puis des anthropologues comme Rémi Savard, José Mayotte, Sylvie Vincent, mais eux autres, ils faisaient du terrain, tu sais, soit à Matmeco, Shefferville, ou Labrador, sur la Basse-Côte-Nord. Et puis, quand ils ramenaient toutes leurs cassettes enregistrées à Montréal, tu sais, c'était tout en inouïmoun. Mais tu sais, s'il n'y avait pas eu quelqu'un pour les transcrire et les traduire, tu sais, ils n'auraient pas pu avancer dans leur recherche. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à transcrire, tu sais, à écrire l'inouïmoun de façon phonétique que José m'avait enseigné. Et puis, après ça, que je traduisais, mais je ne connaissais pas tous les mots. Comme c'était des aînés, eux autres, ils parlaient de Nautmut. Et puis, la langue de Nautmut ne ressemble pas, il ressemble à peu près, là. Mais quand tu es nomade, les verbes que tu utilises ne sont pas les mêmes. Tu vois, Nautmut, tu ne parles pas de ton frigo, ni de ta cuisinière, ni de ton salon. Peut-être tu vas parler de rivière, de lac, aller puiser l'eau. Donc, c'était comme un autre langage. Donc, en transcrivant et en traduisant, j'ai pu me réapproprier ces mots anciens ou ces mots de nomade. Et c'est comme ça. Et puis, un jour, je suis devenue assistante de recherche pour Sylvie Vincent
Alors, tu sais, je l'accompagnais quand elle faisait du terrain. Alors, les aînés, c'est à moi qu'ils racontaient. Tu sais, puis j'ai pu, tu sais, me réapproprier la spiritualité, tu sais, connaître, tu sais, les mots anciens, les mots de nomade. Et puis, tu vois, aujourd'hui, je me trouve, tu sais, privilégiée d'avoir travaillé pour ces trois anthropologues qui, aujourd'hui, tu sais, m'ont quitté, sont partis sans moi. Et puis, comme Serge Bouchard, tu sais, qui est devenu un très grand ami. Et puis, je me souviens, tu sais, la dernière, c'était la pandémie, puis il m'avait téléphoné. Puis il m'avait dit, tu sais, il dit, on ne se voit plus, puis je trouve ça triste. J'ai dit, moi aussi, je trouve ça triste. Mais il dit, quand les terrasses seront ouvertes, il dit, on ira prendre un café. J'ai dit, oui. Puis il dit, on parlera de silence. Mais je ne sais pas, tu as répondu finalement. J'ai l'impression que je m'en vais un peu... Mais tu sais, Joséphine, c'est ce qu'on se disait. Moi, c'est pas la première fois qu'on a la chance de... Ben, en tout cas, que j'ai la chance de partager la scène avec toi. Puis à chaque fois que je te pose une question, tu décides bien de ce que tu veux répondre. Puis c'est ça la beauté d'être l'artiste, l'autrice. Tu vas dans le sens que tu veux. Et en fait, j'ai une toute dernière petite question. Je suis contente que tu aies coupé toi-même ton silence parce que de dire qu'avec Serge, on va parler de silence, pour moi, le matin aurait pu s'arrêter là. Puis déjà... ça me rend très émotif, voilà. Tu es une artiste, entre autres, autrice, anthropologue. On a dit toutes ces choses-là accomplies. Tu as la faveur du public, on le voit ce matin. Et tu es aussi une très grande passeur. Tu es très, très, très généreuse toujours dans ton partage, dans ton temps. On te fait du pain. Elle voulait amener le pain qu'on lui a remis sur la scène. Moi, je trouve ça juste ça, je trouve ça magnifique. Et j'avais envie de savoir, toutes ces communautés-là que tu as investies, en date d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur souhaites pour le futur? Tu sais, quelque part, la pandémie, pour les jeunes que j'ai remarqués, moi, tu sais, que j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Tu sais, on a beau dire, tu sais, qu'on vit dans les temps modernes avec les réseaux. Mais tu vois, quand ils ont décidé de confiner tout le monde, alors, tu sais, les jeunes, tu sais, au lieu de rester, tu sais, dans leur maison puis dans leur chambre, tu sais, avec des réseaux sociaux, mais il y en a beaucoup qui sont retournés, tu sais, dans le bois, tu sais, peut-être pas avec leur canot ni leur raquette, peut-être plus en pick-up, mais ils sont retournés, tu sais, chasser, reprendre ce que leurs grands-parents étaient, comme si ça avait été tout à fait naturel, comme quoi ton identité est toujours au plus profond de toi-même. C'est ça que c'était la beauté, tu sais, du confinement. Je ne parlerai pas de COVID, là, mais tu sais, d'être enfermé. Tu sais, c'était comme si tu étais enfermé, tu sais, des murs. Tu sais, ça devenait comme... Tu devenais prisonnier de tes murs. Bon, puis voilà. Tu sais, ils ont retrouvé ce qu'ils étaient à la naissance. Ah oui. Tu as dit, parlons-nous pour se rencontrer. Donc, ce sera autour des gens dans la salle qui peuvent t'adresser. On a quelques minutes, donc quelques questions. Je crois que c'est Morgane, si je ne m'abuse, qui a le micro. Je vous invite, si vous avez une question, à lever la main. Je vous répète de ne pas toucher, s'il vous plaît. Je peux vous raconter une anecdote avec le micro. Tu vois, j'ai participé au festival interculturel. Tu sais, d'international. Alors, puis il y avait, tu sais, le combat des contes. Et puis Stéphanie Benetto m'avait dit, tu sais, elle voulait absolument que je participe parce qu'il invitait aussi Charles-Happy Bellefleur qui allait raconter les oiseaux d'été. Mais il fallait que je le raconte en 20 minutes. Mais, et puis, quand Charles-Happy viendrait,
Ils allaient raconter l'heure que ça demande pour se atlocan. Et puis, on a, c'est Gilles Bibeau, un anthropologue qui défendait mon compte. Alors, on a gagné le prix du public. Puis, il était tellement content qu'il a enlevé son masque puis il a essuyé son pied. Alors, on va vous demander de ne pas retirer votre masque et de ne pas toucher au micro, mais de lever votre main parce qu'il faut profiter du temps qu'on a, parce qu'il y a d'autres belles rencontres encore qu'on aura à vivre dans la journée. Qui se lance en premier? Voilà, tout devant, Morgane. On avait quelqu'un qui était prête. Il y aura un monsieur derrière également ensuite. Bonjour. Oui. Je veux vous dire que je suis. Vous êtes très impressionnante et je suis très impressionnée. Merci, oh, merci. Gentil. J'ose vous poser une question. Qu'est-ce que vous souhaitez être votre plus beau legs? Qu'est-ce que je souhaite? À qui? Tu sais, le masque. Votre plus beau leg, qu'est-ce que vous souhaitez laisser de plus important? De plus important, la langue. Tu sais que. C'est la langue, c'est sûr, en premier lieu. Et puis, la fierté de leur identité, pour qu'elles ne meurent jamais. Morgane est en suspens, le temps de, j'imagine, nettoyer le micro. Il y avait quelqu'un juste derrière qui avait une question. Peut-être vous pouvez, sinon, me la... Oh, Morgane est en route, Morgane est en route. On s'excuse, c'est une question de logistique pour vous protéger et nous permettre d'être ensemble ce matin à la Maison de la littérature. Pour moi, votre plus beau poème, c'est « Je suis humain », le film. Okay. Et je voudrais vous demander l'autorisation qu'il soit projeté au moment de mes funérailles comme ce qu'il y a de plus beau que j'ai jamais vu. Je pense que le silence est de mise. C'est pénible de briser ce silence-là. Je le laisse flotter pendant que quelqu'un d'autre souhaite étendre sa main dans les airs. On vient à vous, madame. Avec le gilet gris et mauve, peut-être si vous pouvez relever votre main pour Morgane qui vous cherche derrière, voilà. Quoi? Quoi? Magnifique, belle, grande dame. Je suis en émotion aussi parce que je trouve que c'est une magnifique idée que le monsieur vient d'honorer de son vivant. Puis ça a fait en dedans de moi... j'ai vécu à ma façon, en tant que blanche, toutes les mêmes souffrances que les Autochtones. J'habite à côté de Wendake depuis l'enfance. Mes amis sont Wendat, Inou et... J'étais allée travailler aussi dans le Grand Nord. Et je me sens chez nous avec vous. Et j'aimerais ça honorer ça. Tu sais, une blanche parmi les rouges ou l'inverse, tu sais. et j'étais un peu... J'ai écrit, ça fait 30 ans, toutes ces souffrances-là. Mais je les ai brûlées. J'ai toutes brûlées pour refaire ma vie. Et j'ai le goût de vivre, voilà. Je veux nommer qu'il y a des Blancs aussi qui ont traversé des choses difficiles en tant que femme. Et j'aurais aimé aussi aller partager dans les communautés qu'on peut s'en sortir, puis ouais. Se tenir droite et avoir de l'espoir. Ouais. Merci pour vos mots qui pensent mes mots, mes maladies. Merci. Ce qui est très important, c'est quand... Moi, je crois qu'il faut vivre
aujourd'hui, parce que demain nous ignore de toute façon, hein, jusqu'à temps qu'il devienne aujourd'hui. Alors. Donc Morgane se déplace pour Madame à l'avant en Bourgogne. C'est très genré pour la personne en Bourgogne à l'avant, je m'excuse. Juste là, elle danse pour nous. Merci. Bonjour Joséphine. Oui. On s'est vu plusieurs fois à Espace Autochtone. Oui. Je voulais savoir, tu rentres de France, tu étais, je pense, en Bourgogne pour un événement. Oui, tu sais ce que j'ai aimé de la Bourgogne. Non, mais je veux savoir. C'est le matin. Quand le matin, on dirait que les nuages se sont posés sur les toitures des maisons. J'ai beaucoup aimé la Bourgogne. Ils mangent très sauce. Alors, j'avais deux questions, en fait. La première, c'est comment les Français t'ont reçu? Parce que nous, pour le Québec, tu es une icône ici. En France, tu es connue aussi. On le voit, ils t'invitent, ils te font parler, ils veulent te rencontrer. Mais comment ils te perçoivent? Qui es-tu en France? Mais qui je suis en France? Ce que je suis ici, il n'y a pas beaucoup de différence. Alors, ils écoutent quand, tout comme vous autres ce matin. Pour m'écouter, c'est quand les gens sont curieux, et puis c'est fun de leur raconter parce qu'ils écoutent. Ta curiosité nous fait écouter souvent. Mais je dis pas que je suis une curiosité. Et deuxième question, en fait, tu es partout, donc très occupée. Est-ce que tu écris encore? Ce sera quoi le prochain recueil de poésie de Joséphine Bacon? OK. Ça fait déjà un temps que j'écris. Ça s'appelle « Ces gens qui ont mis des vertèbres à mon dos ». Et puis, j'écris des poèmes sur les gens qui ont eu beaucoup d'importance dans ma vie et qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors, je les raconte de façon orale. Et puis, à partir de mon oralité, j'en fais un poème. Donc, il y a comme l'oralité qui est accompagnée d'un poème que m'inspire. Donc, c'est le prochain. Ouais. On aurait le temps pour une toute dernière question. Oui, tout de suite à l'avant. Donc, vous aurez le mot... non, c'est pas vrai. J'aurai le mot de la fin pour remercier des commanditaires, mais vous aurez la question de la fin. Ce n'est pas une question, c'est tout simplement un hommage et une petite phrase qui m'est venue en vous écoutant. Si le paradis avait une voix, un sourire et des mots, ce seraient les vôtres. Oh, mon Dieu, vous... Ma reconnaissance est grande, ne serait-ce que vous soyez ici. C'est moi qui vous remercie. T'sais, qu'on soit ensemble ce matin, t'sais, que vous soyez là à écouter, à poser des questions. Et puis, je trouve que c'est une belle façon de se réconcilier un peu. Hein? Joséphine, merci beaucoup de ta présence, de ta générosité, comme à l'habitude. Je pense que je parle au nom de tout le monde pour te remercier de cette rencontre. J'invite les gens
à poursuivre la rencontre, peut-être. Donc, à 13h, tu seras de l'autre côté au Marine Center pour une séance de dédicace. Je vous invite, dans tous les cas, que ce soit pour rencontrer Joséphine ou pas, de vous y rendre au Marine Center, ne serait-ce que pour la beauté des lieux, mais aussi parce que c'est vraiment l'endroit où est le cœur du salon, où se trouvent les livres des auteurs, autrices et artistes autochtones qui participent à cette 10e édition. Donc, vous pourrez vous procurer des titres auprès des éditeurs, rencontrer peut-être même des auteurs, des autrices que vous ne connaissez pas encore. Hein, ça, il faut le faire. On vient pour Joséphine et après, on poursuit en découvrant la multitude. Et donc, merci beaucoup et je vous invite à revenir ici, si vous en avez envie, justement, à midi, pour une rencontre avec Jocelyn Sioui, qui est animée par Sylvie Nicolas. Merci beaucoup, beaucoup et une excellente journée à vous.